dans l'hémicycle. Là, c'est la pause dans l'hémicycle. Donc, je suis en soutien à une manifestation comme hier soir, essentiellement joyeuse et paisible. Malgré les incidents, Les incidents n'étaient pas dans la manifestation et les incidents doivent être condamnés. Je les condamne, je les ai condamnés, je les condamnerai. Là, je sors d'un débat avec le patron du bar gay de Lille qui a été agressé. C'est scandaleux. Je l'ai vu là sur un plateau, mais j'irai le voir dans son bar pour le saluer et pour dire aussi combien on doit condamner tout acte homophobe. La manif telle que vous la voyez là, elle n'est pas homophobe. C'est une manif de conviction contre le projet Taubira, pour la famille. Et hélas, dans les manifestations de foule, parfois il y a des marges. D'autant lorsque les forces de l'ordre, manifestement mal dirigées par leur ministre, plutôt que de s'occuper des fauteurs de troubles potentiels, sont très attachées à compliquer la vie des manifs. Quand vous apportez votre soutien aux manifestations, certains trouvent que vous n'êtes pas forcément très clair quand vous leur dites... Alors, signalez pas forcément de se disperser après 10 heures. Oh, je suis désolé. Hier, je suis monté sur le podium, je me suis exprimé. J'ai dit, ne cédez pas à la provocation, faites gaffe, il peut y avoir des provocateurs. Ensuite, ça surprend les gens de gauche que des un peuple jeune, joyeux, divers, qui soit assez naturellement dans une manif. Par conviction, on ne revendique dans cette manif aucun avantage, aucun privilège, juste des convictions. Mais est-ce que vous ne devriez pas leur dire, après 10 heures, c'est peut-être le moment d'aller de se disperser? Mais je le dis, c'est aussi ce que les responsables de la... Moi, je ne suis pas responsable de la manif, mais je viens et j'assume. Les responsables de la manif eux-mêmes disent qu'il y a une heure de fin de manif et une heure de dispersion. Mais monsieur Barreto, voilà. Est-ce que vous ne craignez pas un incident grave? Un incident grave qui arriverait, qui va mettre en cause, peut-être même jusqu'au mouvement. Il faut absolument éviter tout un incident grave. L'accident grave, c'est François Hollande. Il est déjà arrivé. Et il faut que les forces du ministère de l'Intérieur soient aussi présentes, pas uniquement pour coffrer 67 jeunes dont le seul crime était d'avoir planté 3 tentes à côté de l'Assemblée, ce qui se fait dans tous les parlements du monde, et que les forces de l'ordre s'occupent, elles, réellement de prévenir tout incident. Donc le but des forces de l'ordre, c'est pas de mettre du désordre dans une manifestation, le but des forces de l'ordre, c'est de prévenir le désordre par rapport à la manif et de respecter le droit de manifester. Là, vous êtes pas là. Je crois que il peut, enfin, le risque existe toujours, bien entendu, mais très franchement, à part les quelques poignées qui veulent absolument en découdre, quoi qu'il arrive, et qui sont, je crois, très éloignées des motivations de la manif pour tous, l'immense majorité des personnes qui viennent manifester ici sont pacifiques, elles font du bruit, elles crient leur désaccord, leur désapprobation, elles viennent avec leurs pieds, elles n'ont pas du tout l'intention de casser quoi que ce soit, et il ne faut pas amalgamer des milliers de personnes qui sont ici, avec 2-3 qui de toute façon ont envie de casser du flic, pardon d'expression, et de casser les choses. Et donc à partir de là, cet amalgame qui est fait par la gauche, par le gouvernement, n'est pas acceptable. Et je crois que ça participe au contraire, ce genre de déclaration, à un accroissement de la tension qui est un peu palpable malgré tout. Mais vous êtes très clair, vous savez ce qui s'est passé à Lille. Bien entendu, donc comment est-ce qu'on pourrait être d'accord avec ça? Bien sûr, bah évidemment, évidemment. Et ça marche de moins en moins. Enfumez les Français. À chaque fois. Mes amis, nous sommes la jeunesse de France. Nous sommes les familles de France. Nous allons dire non à un pouvoir aux abois. Grâce à vous, nous ferons entendre la voix des familles, la voix de la France. À Paris, nous venons. Pour Hollande, 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 pour Hollande
Allez voir les veilleurs là-bas. Disproportion comme d'habitude, mais à la fois on sent que la situation est compliquée, il y a un peu de résistance passive, voilà, ils sont assis là-bas sur quelqu'un qui ne veut pas se lever. C'est des méthodes curieuses. Regardez, hein, c'est là-bas qu'il faut filmer, c'est pas moi. C'est incroyable. Regardez, c'est un scandale démocratique. Honte à ce gouvernement, on va vous faire des politesses non plus, madame. Lamentable.
Allez, levez-vous là. Levez-vous. Allez, levez-vous là. Allez, allez, levez-vous. Faites pas l'idiot, levez-vous. Levez-vous. C'est malin. Allez, on se lève là.